Thierry Beccaro, ex-enfant battu en coltere, se se marque. Il grecato ujours les peurs, les demons. Dans un nou vel entretien, Thierry Beccaro est revenu sur la maltraitance dont il a été victime étant enfant, a notamment raconté son long chemin vers la guérison. Ce chemin, il la detaile dans un nou veu livre dont la sortie est prevue dans les prochains mois. În 2018, Thierry Beccaro s-est liberat du traumatisme de son enfance. L'ex-animateur de Motus, qui a coupé France Televisions. A contat ce tane el, se dans un livre son enfance dificile avec un pe. Se alcoolique et violent, qui lui metait des rafales de culs. En novembre 2021, Thierry Beccaro proposera un second ouvrage sur le sujet ce te fois de la guérison, intitulé Ma résilience, se moi. Lords de son passage sur le plateau de Good Morning Weekend sur Non-Stop People, samedi 8 mai 2021. L'ex-animateur de 64 ani s-a explicat că l'ecriture et aita paruie, să lui cam une pratique salvatrice. Toute fois, sa longue phase de reconstruction a été marquée par des moments pas faciles. On traverse parfois des chemins un peu sinueux, tortueux. Acest deschemis de ronces et il ne faut pas croire că la resiliență, acest pesor de anchemin de ronces, se un chemin de petales de roses. Thierry Beccaro a malgrătaut rasure în confiant aler bien au jour dui. Mai sur mondos, il y grecat au jour sun sac, atil ajote avec emotion. Lui de precisar. Il y grecat au jours les peurs, les demons, qui sommeilent et je vis parler de taut, science au haitant quei celes et ceux qui mi feront l'honneur de lire ce livre se disent. Si jamais ils sont passés par ce. Geconais ce chemin, geconais ce te addiction, geconais ce speurs qui mont paralise. Mais Thierry Beccaro est bien la preuve vivant que von peut s'en sortir. Et daileurs. Son optimisme et son espoir en un avenir meilleur ont certainement contribué, să son bon rétablissement psychologic. Il y grecat du soleil laude sus des nuages, a-t-il conclut.